de charité à la quasi-paroisse Notre-Dame des Victoires. En effet, pour aider à la construction de la quasi-paroisse Notre-Dame des Victoires, située au quartier Cocody de Korogo, une messe de charité a été célébrée et présidée par le père Amon Koné, curé de la quasi-paroisse et vicaire général du diocèse de Korogo. La messe a commencé par la procession des pères célébrants, l'aspersion des fidèles en vue de leur purification. Avec des pas de danse, les différentes tribus composées des CEB, groupes et mouvements ont remis une enveloppe contenant d'importantes sommes en vue de la construction de la quasi-paroisse. Pour finir, il y a eu la vente aux enchères des objets de piété tels des crucifix, des images, statues, etc. Bonjour. Moi, c'est le frère Pacom Pio. Alors, j'interviens pour dire que nous venons de vivre une très belle cérémonie, une triple et un triple événement, la fête des mères, la fête de la Sainte Trinité et aussi la fête de la charité pour permettre à cette église d'avoir un toit et d'être fréquentée convenablement. Alors, la cérémonie s'est très bien passée. Le peuple de Dieu a répondu et a réagi. Et nous sommes convaincus qu'avec l'aide de Dieu, très bientôt, nous allons voir les choses évoluer sur cette paroisse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comme, voilà. Merci, très belle cérémonie. Donc, je suis M. Guigui. Voilà. Je viens de participer à la fête de la charité de la paroisse. Je suis vraiment fier d'avoir participé à cette belle fête qui a réuni tous les enfants de la ville et puis chacun s'y est donné quand même à cœur joie et je suis très content. Merci.